Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de Un printemps à Tchernobyl de Emmanuel Lepage, un album documentaire reportage sur Tchernobyl. Voilà, Emmanuel Lepage, une association lui a proposé de partir à Tchernobyl pour raconter ensuite dans un livre associatif ce qu'il s'y passe. Il est proche de ce qu'on appelle la zone, c'est-à-dire la zone qui est totalement irradiée. Donc tout le monde y va avec son petit compteur GGR et c'est le tic-tac, 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 et qui nous accompagne régulièrement tout au long des pages d'Emmanuel Lepage. Ce qui va surprendre Emmanuel Lepage, c'est que la végétation reprend ses droits. La nature reprend ses droits, les arbres ont repoussé, l'herbe est là, mais justement c'est là où c'est très très dangereux parce que ça garde très longtemps la radioactivité. On leur dit il ne faut pas s'asseoir sur l'herbe, il faut aller toujours sur le bitume. Il y a toujours un maximum de choses qui font qu'il faut se sécuriser au niveau de ce que l'on fait. Comme quoi la nature reprend ses droits, mais la place de l'homme n'y est toujours pas. C'est un ouvrage qui pose plein de questions sur le nucléaire, comment on l'a utilisé, les conséquences de cet accident. C'est très bien mis en place, c'est très bien dessiné. C'est Emmanuel Lepage, c'est Un printemps à Tchernobyl, aux éditions Futuropolis. Et pour finir sur une petite note d'humour, histoire de pas trop plomber, Les Bidochons, le nouveau vient de sortir. Robert et Raymond Bidochon se lancent dans l'écologie. Alors dans l'écologie, bon, ils font déjà le tri des déchets, ils vont acheter des ampoules qui mettent 15 heures à s'allumer. Vous connaissez tout ça, hein, les ampoules à basse consommation. Voilà, et c'est bah, le pauvre Robert, ça va être difficile hein, de s'y mettre, mais en même temps, il est peut-être le dernier à s'y mettre, mais c'est souvent les derniers convaincus qui sont les plus sectaires. Voilà, le nouveau Bidochon, le 21 de Binet et Tchernobyl par Emmanuel Lepage. Merci, à la semaine prochaine.